C'était une nuit limpide et noire, suspendue comme dans un panier à une seule étoile. L'air lourd assourdissait le klaxon de la première auto. Le chauffeur de Brady allait lentement. De temps en temps, on pouvait apercevoir le feu arrière de l'Isota, puis on ne le vit plus. Au bout de 10 minutes, il redevint visible mais immobile au bord de la route. Brady ralentit. L'autre voiture se remit en marche, lentement, et on la dépassa. Au moment du dépassement, on put entendre un bruit de voix excité dans la limousine et on vit que le chauffeur de Diver riait. Puis on continua, roulant rapidement, tantôt entre des murailles de sombre verdure, tantôt dans la nuit transparente, pour arriver enfin, après une série de descentes plongeantes, devant la masse imposante de l'hôtel Goss. Rosemary dormit 3 heures, puis demeura éveillée, avec l'impression de flotter dans le clair de lune. Elle examina rapidement toutes les éventualités qui pourraient aboutir à un baiser. Mais le baiser lui-même restait aussi flou qu'un baiser de cinéma. Elle se tourna, changea 20 fois de position dans son lit, premier signe d'insomnie qu'elle eût connu. Et elle essaya de considérer la question du point de vue qui aurait été celui de sa mère. Ce faisant, elle se montrait plus pénétrante que son expérience ne l'expliquait, retrouvant le souvenir de choses entendues auxquelles elle n'avait alors pas prêté attention. Rosemary avait été élevée dans l'idée que le travail est nécessaire. Mrs. Spears avait employé à l'éducation de sa fille les restes de fortune que lui avaient laissés les deux maris dont elle était veuve. Puis, quand cette fille, dans l'épanouissement de ses 16 ans, eut développé une beauté charmante, auréalée de son extraordinaire chevelure blonde, elle l'emmena à Aix-les-Bains et, sans se faire annoncer, la fit entrer dans les appartements d'un grand producteur américain qui faisait une cure dans cette ville d'eau. Quand le producteur retourna à New York, elles s'y rendirent aussi. C'est ainsi que Rosemary avait subi ses examens d'entrée. Le succès avait suivi et la promesse de sécurité stable qui en résultait avait amené Mrs. Spears à l'état d'esprit qui aurait pu se résumer ainsi et qu'elle avait laissé entendre tacitement ce soir-là. « Tu as été élevée dans la perspective d'avoir à travailler, et pas spécialement de te marier. Tu as trouvé maintenant ton premier problème à résoudre, et c'est un bon problème. Va de l'avant, et tout ce qui arrivera, mets-le au crédit de ton expérience. Que tu te blesses ou que tu le blesses, cela ne pourra pas te nuire. » Car économiquement parlant, tu es un garçon et non une fille. Rosemary n'avait jamais beaucoup réfléchi, si ce n'est aux perfections infinies de sa mère, de sorte que cette rupture du cordon ombilical troublait son sommeil. Une fausse aurore envahit sa chambre par les hautes portes-fenêtres, et elle se leva pour arpenter la terrasse qu'elle sentit chaude sous ses pieds nus. L'air était plein de petits bruits mystérieux. Un oiseau obstiné célébrait sans fin quelques triomphes dans la cime des arbres qui ombrageaient le cours de tennis. Des bruits de pas provenaient de l'allée derrière l'hôtel, avec des sons variés selon que les souliers foulaient le sol poussiéreux du chemin, le gravier devant l'entrée ou les marches de ciment. Là-haut, parmi ces collines sombres, vivaient les divers. Rosemary pensait à eux, à tous les deux, et croyait les entendre encore chanter doucement une mélodie aussi légère qu'une fumée, solennelle comme un hymne. Leurs enfants dormaient, leurs portes étaient closes pour la nuit. Scott Fitzgerald tendrait la nuit. Eva est allongée, alanguie sur le sable collé au miel de sa peau. Ses cheveux sombres, raides, glissent et ondulent, portés par la brise, l'odeur du varech, du sel, des guanos. Elle tient à la main une grosse coquille, un coquillage ponctué de pigments ocre et rougeâtre. Et elle rêve. Elle part au loin jusqu'au nuage. Elle suit les pics et les crêtes, puis les falaises étourdissantes. Survole des forêts blanches, monumentales,
des pâturages et des ravins, saute dans une cascade, un ruisseau. Elle flotte, elle coule, au rythme de l'eau, s'étire, s'étale, dévale les champs et s'élance vers l'ouest, vers les plaines innombrables, l'herbe sèche, les branches mortes. Elle longe ensuite des calcaires tranchants, rouges et orangés, des déserts minéraux, traverse des sols craquelés, rongés par les épineux, des étendues silencieuses. Enfin, elle retrouve un littoral baigné de crachins, une herbe grasse et abondante, un grand large bouillonnant. Les couleurs sont grises ou pastelles, la voûte impénétrable, interminable, et comme unique paysage, le déploiement des vagues. Eva se laisse porter. Elle écoute le bruit des grands fonds, l'appel des colosses marins, éprouve les gerbes d'écume qui claquent son front, ses joues, la morsure du vent et la glace toute proche. Puis, d'un coup, elle se libère. Elle plonge dans un océan de verdure et de moiteur, un monde de fracas, de sifflements, de vibrations. Elle a chaud, elle étouffe, fourmille, se gratte, bondit, crève la mousse et les feuillages. Mais l'air est si sec à présent, et le soleil écrasant. L'espace est singulièrement vide, lunaire, un paysage de sable et de roches, de sable surtout, où ses pieds se glissent, s'enlisent, chauffés à vif. Alors, Eva colle le coquillage à son oreille pour sentir le flux de l'océan, sa douce fraîcheur. Ses mèches à nouveau se soulèvent et la brise redevient marine. Au large, dans la nuit qui se dessine, l'écho des vagues la rejoint. L'écume murmure à ses côtés. Une lune de dentelle s'épure dans un ciel bleu cristal et les plages alentour s'allongent, se succèdent pour se fondre à l'horizon. Derrière la nappe imprécise des flots, le soleil balance un tout dernier rayon. Eva Fabriciano. Je vais vous raconter une aventure dont les Bretons firent un lait. On le nomme laostique, il me semble. C'est ainsi qu'ils l'intitulent dans leur pays. Cela veut dire rossignol en français et nightingale en bon anglais. Dans la région de Saint-Malo, il y avait une ville réputée. Deux chevaliers y habitaient et y possédaient chacun une maison forte. La valeur des deux barons avait fait la réputation de la ville. L'un avait épousé une femme, intelligente, courtoise et avenante. Elle se faisait merveilleusement apprécier pour sa conduite qui respectait l'usage et les bonnes manières. L'autre était un jeune célibataire, bien connu entre ses pairs, pour son courage et sa grande valeur. Il menait une vie fastueuse, participait à de nombreux tournois et dépensait généreusement. Il donnait volontiers ce qu'il possédait. Il tomba amoureux de la femme de son voisin. À force de requêtes et de prières, mais aussi à cause de ses grandes qualités, il finit par obtenir l'amour passionné de la dame, d'abord pour le bien qu'elle entendit dire de lui, mais aussi parce qu'il habitait tout près d'elle. Ils s'aimèrent en toute sagesse. Ils prirent soin de se cacher et d'éviter d'être découverts, dérangés ou soupçonnés. Cela ne leur était pas difficile, car leur demeure était toute proche. Leur maison était voisine, ainsi que les grandes salles de leur donjon. Il n'y avait pas d'autre obstacle, ni d'autre séparation, qu'un grand mur de pierre grise. De la chambre où elle couchait, en se mettant à sa fenêtre, la dame pouvait parler à son ami, de l'autre côté, et lui pouvait faire de même. Ils pouvaient échanger des cadeaux, en se les jetant et en se les lançant. Ils n'ont aucun motif de déplaisir, et tous deux sont très heureux, excepté qu'ils ne peuvent être ensemble à loisir, car la dame était étroitement surveillée quand son mari se trouvait dans le pays.
ils avaient néanmoins une consolation, car, de nuit ou de jour, ils avaient la possibilité de se parler. Personne ne pouvait les empêcher d'aller à la fenêtre et d'avoir des entrevues. Pendant longtemps, ils se sont aimés de la sorte, jusqu'à l'arrivée d'un printemps, où les bosquets et les prés ont reverdi et où les jardins ont refleuri. Les petits oiseaux, avec une grande douceur, chantaient leur joie au sommet des arbres en fleurs. Il n'est pas étonnant alors que celui qui a la liberté d'aimer s'abandonne à l'amour. À propos du chevalier, je vous dirai la vérité. Il s'y adonne autant qu'il peut, tout comme la dame de l'autre côté, en paroles et en regards. La nuit, quand la lune luisait et que son mari était couché, souvent elle le quittait pour se lever et pour passer un manteau. Elle allait se mettre à la fenêtre pour son ami, dont elle savait qu'il en faisait tout autant, et passait la plus grande partie de la nuit réveillée. Ils avaient du plaisir à se voir, à défaut d'autre chose. Tous ses levées et tous ses séjours près de la fenêtre finirent par susciter la colère du mari, qui demanda maintes fois à sa femme pourquoi elle se levait et où elle allait. « Seigneur, lui répondit la dame, il ignore ce qu'est la joie en ce monde, celui qui n'entend pas le rossignol chanter. C'est pour cela que je vais me placer près de la fenêtre. J'y écoute son chant si doux la nuit, que j'en ressens une grande joie. J'y prends un tel plaisir et j'en ai un tel désir que je ne puis fermer l'œil de la nuit. » Quand le mari entend ces paroles, il ricane de colère et de fureur. Il médite un plan. Il prendra le rossignol au piège. Tous les domestiques de sa maison se mettent à fabriquer pièges, filets et lacets qu'ils disposent ensuite dans le jardin. Il n'y a ni coudrier ni châtaignier où ils ne mettent des lacets ou de la glu, si bien qu'ils capturent et gardent le rossignol. Quand il le reprit, ils le remirent vivant à leur seigneur. Celui-ci, tout heureux de le tenir, se rendit dans la chambre de la dame. « Dame, dit-il, où êtes-vous ? Approchez donc, venez me parler. J'ai pris au piège le rossignol qui vous a tant fait veiller. Désormais, vous pourrez dormir en paix, il ne vous réveillera plus. » Quand la dame l'entendit parler ainsi, elle fut triste et affligée. Elle demanda le rossignol à son mari, qui le tua par pure méchanceté. De ses deux mains, il lui brise le cou. Ce fut un geste totalement ignoble. Il jeta ensuite le corps sur la dame, de sorte qu'il fit une petite tache de sang sur le devant de sa robe, juste à l'endroit du cœur. Après quoi, il quitta la chambre. La dame prend le petit oiseau, pleure à chaudes larmes et maudit tous ceux qui ont trahi le rossignol et qui ont fabriqué pièges et lacets, car ils l'ont privée d'une grande joie. « Hélas, dit-elle, quel malheur pour moi! Je ne pourrai plus me lever la nuit, ni me tenir à la fenêtre et continuer à voir mon ami. Je ne sais qu'une chose de sûre, c'est qu'il va croire que je le délaisse. Il faut que je trouve une solution. Je lui enverrai le rossignol et lui ferai savoir ce qui est arrivé. » Dans une pièce de brocart, où toute leur histoire était brodée en fil d'or, elle enveloppe le petit oiseau. Elle fait venir un de ses domestiques, lui confie le message et l'envoie à son ami. Le domestique arriva chez le chevalier et lui transmit les salutations de sa dame. Il lui fit part de son message et lui remit le rossignol. Quand il lui eut tout dit et raconté, le chevalier, qui l'avait bien écouté, éprouva de la peine pour ce qui était arrivé. Mais il ne tarda pas à réagir fort courtoisement. Il fit forger un petit coffre, non pas en fer ni en acier, mais en or pur, serti de pierres précieuses d'une très grande valeur. Avec un couvercle bien fixé, il place le rossignol à l'intérieur, puis il fait sceller la chasse qu'il emporte toujours avec lui. On raconta cette aventure, qui n'eût pu rester longtemps cachée. Les Bretons en firent un lait, que l'on intitule « le rossignol de Marie de France ». La nuit de la mort du père, une femme renoue avec sa véritable identité, malgré l'identité masculine que son père lui avait imposée. Ce fut au cours de cette nuit sacrée, la 27e du mois de Ramadan,
nuit de la descente du livre de la communauté musulmane, où les destins des êtres sont scellés, que mon père, alors mourant, me convoqua à son chevet et me libéra. Il m'affranchit comme on faisait autrefois avec les esclaves. Nous étions seuls, la porte verrouillée. Il me parlait à voix basse. La mort était là. Elle rôdait dans cette chambre à peine éclairée par une bougie. À mesure que la nuit avançait, la mort se rapprochait, emportant peu à peu l'éclat de son visage. On aurait dit qu'une main passait sur son front et le lavait des traces de la vie. Il était serein et continua à me parler jusqu'au petit matin. On entendait les appels permanents à la prière et à la lecture du Coran. C'était la nuit des enfants. Ils se prenaient pour des anges ou des oiseaux du paradis, sans destin. Ils jouaient dans les rues et leurs cris se mêlaient à ceux du muezzin qui hurlait dans le micro pour mieux être entendu de Dieu. Mon père esquissa un sourire comme pour dire que ce muezzin n'était qu'un pauvre homme récitant le Coran sans rien y comprendre. J'étais assis sur un coussin au bas du lit. J'avais ma tête à côté de celle de mon père. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Son souffle effleurait ma joue. Son haleine fétide ne me gênait pas. Il parlait lentement. Sais-tu qu'en cette nuit, aucun enfant ne devrait mourir ni souffrir? Parce que cette nuit vaut mieux que 1000 mois. Ils sont là pour recevoir les anges envoyés par Dieu. Les anges et l'esprit descendent durant cette nuit avec la permission de leur Seigneur pour régler toutes choses. C'est la nuit de l'innocence, mais les enfants ne sont point innocents. Ils sont même terribles. Si la nuit est à eux, elle sera aussi à nous deux. Ce sera la première et la dernière. La 27e nuit de ce mois est propice à la confession et peut-être au pardon. Mais comme les anges vont être parmi nous pour mettre de l'ordre, je serai prudent. Je voudrais remettre les choses à leur place avant qu'ils ne s'en mêlent. Ils peuvent être sévères sous leur apparence de légèreté immaculée. Mettre de l'ordre, c'est commencer par reconnaître l'erreur, cette méchante illusion qui a fait régner la malédiction sur toute la famille. Donne-moi un peu d'eau, ma gorge est sèche, et dis-moi quel âge as-tu, je ne sais plus compter. Presque 20 ans. 20 ans de mensonges. Et le pire, c'est moi qui mentais. Toi, tu n'y étais pour rien ou presque. Enfin, l'oubli n'est même plus une passion, c'est devenu une maladie. Excuse-moi, mais je voudrais te dire ce que je n'ai jamais osé avouer à personne, pas même à ta pauvre mère, oh, surtout pas à ta mère, une femme sans caractère, sans joie, mais tellement obéissante qu'elle ennuie. Être toujours prête à exécuter les ordres, jamais de révolte, ou peut-être se rebellait-elle dans la solitude et le silence. Elle avait été éduquée dans la pure tradition de l'épouse au service de son homme. Je trouvais ça anormal, naturel. Peut-être que sa révolte était dans une vengeance non déclarée. Elle tombait enceinte année après année et me donnait fille sur fille. Elle m'encombrait avec sa progéniture jamais désirée. J'encaissais, je renonçais à la prière et je refusais tout ce qui venait d'elle. Quand il m'arrivait d'aller à la mosquée, au lieu de faire l'une de ses 5 prières, je me mettais d'abord à élaborer des plans très compliqués pour sortir de cette situation où personne n'était heureux. J'avoue aujourd'hui avoir eu des envies de meurtre. Et le fait d'avoir des pensées mauvaises dans un lieu sacré, lieu de vertu et de paix, m'excitait. Je passais en revue toutes les possibilités du crime parfait. Ah, j'étais méchant mais faible. Or, le mal ne souffre pas la faiblesse. Le mal tire sa puissance de la détermination qui ne regarde pas en arrière, qui n'hésite pas. Or, moi, je doutais. À l'époque où l'épidémie de typhus s'était répandue dans le pays, j'avais essayé de favoriser son entrée à la maison. Je ne donnais pas à ta mère et à tes sœurs les vaccins et autres médicaments qu'on nous distribuait. Moi, je les avalais. Je devais rester vivant pour les enterrer et pour refaire ma vie. Quelle lâcheté, quelle misère. Le hasard et le destin éloignèrent la maladie de la maison. Le typhus frappait nos voisins immédiats, contournait notre maison, poursuivant son ouvrage de mort.
Ô ma fille, j'ai honte de ce que je te dis. Mais en cette nuit sacrée, la vérité se manifeste en nous avec notre accord ou à notre insu. Et toi, tu dois m'écouter, même si cela te fait mal. Une sorte de malédiction s'était installée dans la famille. Tahar ben Jeloun, la nuit sacrée. Un universitaire parisien décide de rendre visite à un vieil ami installé sur une petite île au large de la Norvège pour y entreprendre des travaux de recherche. Il se rend alors en Bretagne, restaure un ancien bateau à voile et se lance dans une longue traversée. À mi-chemin, la coque de l'embarcation prend l'eau et le narrateur se retrouve seul, en perdition, dans l'Atlantique Nord. Depuis l'évacuation des eaux d'inondation, je n'avais pas examiné l'intérieur de la coque. Peut-être l'infiltration était-elle due qu'à une simple fissure, large et relativement aisée à colmater. Je me mis à pomper avec fureur, mes ultimes forces décuplées par la rage de la souffrance. En une demi-heure, le bateau était à nouveau vidé. Je me précipitai dans la cabine et examinai fébrilement la coque. Je dus assez rapidement me rendre à l'évidence. Aucune voie d'eau franche, donc aucune possibilité de stopper l'inondation autre que celle de pomper indéfiniment. Les bordées s'étaient disjointes, gâtant mon calfatage et créant de multiples fissures imperceptibles à l'œil, par où l'eau pénétrait régulièrement. Cette disjonction n'avait pu être produite que par un travail terrible de la coque, et je supposais que cela était arrivé au moment de la rupture du mât, lorsque l'arrachement des haubans avait causé aux cadènes et aux bordées un choc d'une extrême violence. Les derniers éclats de la tempête, ajouté à ce choc initial, avait achevé de ruiner le calfatage. Le calme était venu peu à peu, m'évitant une mort violente et rapide pour me plonger dans les affres d'une lente agonie, comme par une obscure malignité des éléments. Il m'apparaissait donc que mon unique chance de survie résidait dans l'espoir, assez fallacieux, qu'un navire croisât mon épave à la dérive et me recueillit avant épuisement complet de mes forces ou de mon désir de vivre, à condition que le temps se maintînt et qu'un coup de mer ne vînt pas achever ce que la tempête avait conduit presque à terme. La coïncidence de tous ces paramètres me semblait si improbable que j'en revins à mon idée de tout laisser aller et de me livrer à une paix pleine de songes, le temps que la mer me laisserait survivre. D'entrer dans la mort, les yeux ouverts, sur la beauté du monde et son intelligence, si la peur hideuse m'en laissait évidemment la faculté. Ultime jouissance d'un esprit enfin totalement livré à lui-même, c'est-à-dire libre, soumis à la seule pesanteur de sa prochaine disparition. Les miaulements faméliques d'Erasme étaient devenus déchirants. Machinalement, je saisis dans le Capharnaüm étalé sur les couchettes quelques conserves. Aliments pour chat, thon, sardines, un carton de lait, des couverts et un ouvre-boîte. Il était 5 heures du soir et nous n'avions rien pris depuis l'avant-veille. Erasme se mit à dévorer avec d'énormes ronronnements de plaisir. Je mangeais et buvais distraitement, et à mesure que mon organisme m'envahissait, mon organisme se restaurait, un irrésistible engourdissement m'envahissait. Je tombais de sommeil. Il me restait 3 quarts d'heure avant que l'infiltration atteignît la limite de sécurité que je m'étais fixée. 3 quarts d'heure avant de reprendre pour 1 heure,
cet harassant et absurde travail de pompage. Il fallait que je restasse éveillé. Ma survie était à ce prix. Après 2 jours ou presque d'efforts acharnés à la barre, il était certain que je dormirais trop longtemps. Je ne voyais guère ce qui pourrait me réveiller si je me laissais aller au sommeil, hormis le contact de l'eau au moment du naufrage. Et je songeais avec horreur à cette idée d'un réveil brusque et court, où je sortirais pour quelques minutes d'un anéantissement éclairé cependant par la vie colorée des rêves, pour m'engloutir dans le noir ou le blanc absolu de la mort. Noir de ce qui n'est plus, blanc de ce qui n'est pas. Être délivré de la conscience de la mort par le cauchemar. Être délivré du cauchemar par la mort. Effroyable enchaînement. Cette idée terrible ne parvenait même pas à me tenir éveillé et ma tête tombait de façon spasmodique. Je me levai et entrai dans la cabine où je m'allongeai sur le plancher entre 2 élévations des couchettes. Ainsi, l'eau me réveillerait mais à temps, à un niveau où ma survie serait encore possible. Michel Rio, Mélancolie Nord. Goethe écrivit ce poème à la fin de sa vie pour une jeune femme qu'il n'a pu épouser. C'est le dernier amour de sa vie. Qu'espères-tu d'un revoir à présent ? Et de ce jour, fleur pas encore déclose, le paradis et l'enfer se proposent. Comme ton cœur souffre un trouble mouvant, ne doute plus, elle prend dans ses bras ton âme et le ciel s'ouvre sur ses pas. Comme il courait le jour avec ses ailes, comme il chassait devant lui les instants, et le baiser du soir, scellé, fidèle, tout est resté pour le soleil suivant. Les délicates heures s'en allaient, comme des sœurs qui pourtant différaient. Et ce dernier baiser, douceur cruelle, tout un réseau de délices brisant, et puis le pas qui fuit le seul, chancelle, chassé par un archange flamboyant, et l'œil, laissant la route enténébrée, regarde et voit la porte refermée. Et maintenant ton cœur se clôt. Il semble qu'il ne se soit jamais ouvert et n'ait goûté jamais les tendres heures qui ressemblent près d'elle aux cieux brillants et constellés. Et l'atmosphère est lourde et le souci, le repentir et le chagrin l'ont envahi. Là-haut, vers la bleuissante lumière, sur les nuages sombres, se révèle, pareil aux séraphins, pareil à elle, une figure adorable et légère. Ainsi régnait, dans la danse animée, l'image aimée entre les plus aimés. Telle elle était, à sa porte attendant, telle elle fut, par degrés, m'exaltant, et telle, après l'avant-dernier baiser, vint sur ma bouche appuyer le dernier, telle, vivante, elle entra dans cette âme et dans ce cœur écrit avec des flammes. Ah, dans ce cœur, muraille crénelée, qui sur-rempart pour soi-même et pour elle, heureux de sa propre durée, ne se connaît qu'autant qu'il la révèle, et, par de tendres chaînes libérées, ne bat encore que pour remercier. Le désir d'être aimé s'était éteint, évanoui, comme la faculté d'aimer. Lorsque le goût d'espérer me revint, et les projets joyeux et décidés, amour, si tu nous donnes la ferveur, de tes présents j'ai reçu le meilleur. Et c'est par elle, à mon corps anxieux, à mon esprit par un poids oppressé, rien ne s'offrait que spectre pour les yeux, et le désert pour le cœur désolé. Mais maintenant, sur un seuil que je sais, elle se montre et le soleil paraît.
à son regard, comme au feu du soleil, comme au vent printanier, à son haleine, la glace fond de l'amour de soi-même qui résistait aux longs hivers pareils, et l'égoïsme autant que l'intérêt, lorsqu'elle vient, frissonne et disparaît. Il semble qu'elle dise, heure par heure, la vie, amicalement, vient s'offrir. Des jours d'hier, peu de choses demeurent, et l'inconnu recouvre l'avenir. Et lorsque j'avais peur du soir tombant, le jour encore me venait du couchant. Imite donc ma joyeuse sagesse, droit dans les yeux, regarde le moment. Cours le trouver, et sois lui bienveillant, dans l'action, l'amour et l'allégresse. Ainsi, candide et maître du possible, tu seras tout, tu seras invincible. Trop bien parlé, pensais-je, le trésor du moment par un dieu te fut donné. Précieuse faveur à tes côtés, chacun se croit le favori du sort. Le dur conseil de quitter ta jeunesse m'est frais, et à quoi bon tant de sagesse? Laissez-moi seul, mes compagnons fidèles, livrés au roc, au marais, à la mousse. Vous, en avant, le monde s'ouvre à vous. La terre est vaste, immense et haut le ciel. Scrutez, cherchez, rassemblez les parcelles. Nature n'a pas dit son dernier mot. Pour moi, le tout, l'univers est perdu. Moi qui étais le favori des dieux, pour m'éprouver, ils m'ont prêté Pandore, si généreuse en cadeau dangereux, en m'infligeant la blessure sacrée, tel un gisant, ils m'ont abandonné. Élégie de Marine Bade par Goethe. Après son errance dans la ville, l'alcool, après avoir évoqué ses amis et les femmes de sa vie, l'auteur de cette autofiction s'adresse à la page blanche. Il accédera ainsi à l'amour, découvrira l'espérance. Ma page blanche, je te mets à plat sous ma main, et puis j'écris oiseau, fleur. J'ajoute rouge, bleu. À l'autre bout de la ligne, après le noir du couloir, je fais tomber étincelant à côté de drapé avec des plis dorés. Je fais tomber un drapé étincelant avec des plis dorés. Je fais des vagues avec les mots de la phrase et puis je finis avec le mot bateau en pensant à légèrement ivre. J'arrête et regarde dans la rue. Nous serons deux sur le bateau, ou bien je serai seul à essayer de t'oublier. J'écris sa main sur la nappe blanche, une main blonde appuyée légèrement sur la paume et le bout des doigts. Immobile, juste avec le cœur qui bat et le verre de vin blanc embué dans la lumière d'une huître désespérée. Voyageur immobile à l'imagination fertile, grands hôtels vides à l'heure des grandes marées, inoubliable silhouette d'un corps heureux sous un pan éblouissant de soleil d'été. Dans les villes mortes, les jeunes gens agonisent, trop graves pour voir Venise, et préfèrent les ventres ouverts à des dentelles portées par les vents du désert. En fait, jamais pu vivre la vie en place. Un formidable don d'observation pouvait laisser espérer à un plus grand talent, à une plus grande verticalité. Mais je fais dans le sanguin, l'affectif. À la fois, je touche les anges sans pouvoir vraiment l'exprimer et m'abandonne à des clichés. Je suis superficiel profondément, ou peut-être profondément superficiel, il se fiera de la couleur du matin. Toujours vivre dans une cale au milieu d'un trésor inventé, de l'Inde du Sud au Grand Nord emmitouflé, des tavernes exaltantes de destins brisés, de petits matins immortels où l'éthylisme rend prince indompté, tout n'est qu'invention. Oui, je crois en moi. À de rares instants, je pense même qu'il est bien que j'existe. Et puis, parfois, je trouve cela d'une banalité effrayante. En fait, aucune importance, vite, respirer encore et encore, me broyer les poumons de l'oxyde de vie, me vautrer des deux côtés,
me rituer d'huile odorante, me refaire la peau à cause de nouvelle vie. Ne rien savoir et tout humer, je n'ai d'envie que d'entendre mon cœur battre. C'est le bleu du bleu qui vient dans ma vie. Je te quitte pas, Paolo, mais rien à faire. Va falloir que j'aille faire un tour du côté du bonheur. On se reverra au hasard des diables, quand la cellule se révolte. Il n'y a pas d'heure pour ça. Tu te promènes, sûr de toi, et brusquement tu les sens. Tu résistes encore un peu en te disant qu'il fait trop beau pour se laisser couler, mais ça frémit sur la peau. Tu te retournes, un coup d'œil à droite, à gauche, et vive l'infanterie, tu t'accoudes au bar. Je ne te quitte pas, Paolo. Tu vois bien, j'y pense toujours, pas toujours. Il y a même des jours où je ne veux pas. Alors les diables tirent sur tout ce qui bouge dans ton corps, dans ton âme, et s'agenouillent par milliards au coin du bar et te disent qu'il n'y a qu'avec toi qu'ils aiment déraisonner. Tu jettes un regard désespéré au Lufia pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il te parle, qu'il ne faut pas être frangin, qu'il faut que tu te retournes, que tu te sauves vers la maison claire où il y a les enfants, les petits-enfants bleus qui t'attendent avec leurs rires et leurs humeurs. Pas de guenilles ce soir. Pas de marchand de bananes, pas de cours des miracles. Quasimodo rentre à la maison. Il faut qu'il prenne Esmeralda dans ses bras. Paolo, il faut que je te raconte comment c'est le bonheur. Enfin, le moment qui s'invente, qui se construit aussi follement que la bière coule au creux du ventre. Maintenant, je veux vivre la vie d'un mec qui avance. J'ai trop vécu celle de l'angoissé qui recule. Le petit banlieusard à sa mémère, pendant qu'il fermait sa gueule, n'en perdait pas un mot de tout ça. De la vie et de ses putains de misères. Il apprenait, le petit banlieusard, pendant qu'il fermait sa gueule et qu'il passait pour un poivreau. Il apprenait la vie à sa façon. Fallait bien remplacer papa. Mon papa à moi, c'était le bar. Bordel de bord de mer que la vie. Est-ce que j'aurai le temps de me servir de la mémoire? Les mines du roi Salomon. Même que j'aurais mangé des pommes avec Richard Cœur de Lion. Palerme à la place de Longue-Vie. Pour le silence, la poussière est une impression d'éternité. C'est beau, une ville la nuit. Et puis un hôtel où il n'y a rien. Ni dealer, ni jazzy, ni chanteuse de blues. Mais on y va le cœur battant. Un hôtel cache toujours quelque chose. Il y a des villes et une rue. Des villes à mille et une rues. Des villes serpents, avec des frissons d'argent et d'or, la nuit. Il y a des villes qui sentent la femme quand il fait chaud au long des terrasses. Alors les villes t'emmènent comme un gros bateau. Elles s'inventent des frontières, d'autres horizons pour te séduire, pour t'engloutir. Le pot, Paolo, que j'ai eu de m'être inventé au creux des villes. La hargne de tout retenir, de faire éclater le poing à l'horizon. Mémoire, où les pans d'ombre deviennent flamboyants. Dans le fond de ma poche, pour l'abriter du vent quand j'étais gosse, pour la protéger des sceptiques, des incroyants qui pensent que les enfants ne prient pas ou ne prient qu'à moitié. Je n'aime pas la vie d'homme, j'aime l'adolescence. Aujourd'hui, penché sur le clavier, je revis. Ma mémoire s'envole, choisit et se pose sur mon épaule. Il n'y aura pas beaucoup de pages. Il y aura le son et puis les images. Elle guide aussi. Elle choisit. Elle s'impose simplement, sans être hostile à des souvenirs qui seraient plus douloureux. Mais elle indique la vie. Elle m'élève. Elle est douce comme la main de bébé qui s'abandonne. C'est avec ma mémoire que j'existe. Comme si l'avenir était déjà dedans. Elle m'aide à me jeter en avant. La vie, je la gagnerai toujours d'une courte tête. Je pourrai jamais me reposer. Jamais m'arrêter. Alors je la berce. Elle est ma glaise, ma sculpture inachevée. Richard Bohringer, C'est beau, une ville la nuit. Derrière ce ciel éteint, et cette mer grise, où l'étrave du navire creuse un modeste sillon. Par-delà cet horizon fermé, il y a le Brésil
et toutes ses palmes. D'énormes bananiers mêlant leurs feuilles comme des éléphants leurs mouvantes trompes. Des fusées de bambou qui se disputent le ciel. De la douceur en profondeur, un fourré de douceur. Et de purs ovales féminins qui ont la mémoire de la volupté. Voici que peu à peu, l'horizon s'est décousu et la terre s'est allongée une place fine. Apparaissent des cimes, encore mal sorties du néant, mais qui ont tout de suite, malgré les réticences des lointains, le prestige et la responsabilité des montagnes. Déjà, luisent des maisons le long de la bruissante déchirure des plages, dans le glissement du paysage sur un plan huilé. Déjà, voici une femme au milieu d'un suave champ de canne, et parvient jusqu'à moi la gratitude de l'humus rouge après les tropicales pluies. Jules Supervielle, derrière ce ciel éteint. Thank you.